aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, je vous ai posé sur un petit trépied, ça change. Aujourd'hui, il fait très beau dehors, il fait très chaud. Est-ce que ce serait pas le moment idéal pour manger une glace? Bien évidemment que si. Est-ce que ce serait pas le moment idéal de continuer sur notre série de je teste les meilleurs blablabla de Paris? Évidemment que si. Donc aujourd'hui, on va tester les 3 meilleures glaces de Paris. On a déjà fait les meilleurs boulangers de Paris, les meilleures pâtes de Paris. C'est l'heure des glaces. Je suis extrêmement contente de faire ça, franchement j'ai trop hâte. Évidemment, Jérémy sera avec moi pour donner son avis. Et avant de commencer cette petite vidéo, je tiens à vous dire qu'elle est en collaboration avec le site Letty Shop. Je vous explique un petit peu. J'ai passé une petite commande de vêtements, donc je suis très contente. En fait, Letty Shop, c'est un site de cashback. Pour ceux qui connaissent pas, alors c'est totalement gratuit. C'est pas la première fois que je collabore avec eux, et c'est surtout pas la première fois que je commande via Letty Shop. D'ailleurs, je vous ai pas dit rien à voir, mais j'ai cassé mon lit. Tout allait bien. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit clairement que j'ai cassé mon lit. Là, juste avant de tourner cette vidéo. Enfin bref, donc Letty Shop, ça vous permet de récupérer un pourcentage de cashback sur votre commande. Donc qu'est-ce que ça veut dire clairement? Parce qu'avant, quand on me parlait de ça, je me disais, oula, genre c'est quoi ce truc? En fait, sur le site de Letty Shop, vous avez plein de marques partenaires. Moi, il y a vraiment 3 sites sur lesquels je commande pas mal. C'est Asos, Naked et Bershka. En ce moment, c'est vraiment Bershka. Et donc, vous tapez le petit site sur lequel vous souhaitez commander. Vous allez avoir un lien qui va vous amener sur le site que vous souhaitez. Vous passez votre commande et en fait, vous allez récupérer selon le pourcentage qui est indiqué. Je sais pas, 3%, 5%, 10% de votre commande totale, et ça se cumule même si vous avez des codes promo, etc. Moi je sais que j'avais commandé, pas pour celui-ci, mais quand j'avais commandé sur Naked, j'avais pris le code promo d'une influenceuse que j'avais, je crois que c'était Mia R, j'avais mis son code promo, et en fait j'avais en plus du code promo, le remboursement du cashback, donc vraiment ça m'a fait économiser grave de l'argent, franchement c'est vraiment trop trop bien, donc je vous conseille grave d'aller faire un petit tour. En plus ils ont une application, je ne savais pas, et j'ai appris qu'ils avaient une application, donc trop pratique. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets comme d'habitude les petits liens si jamais ça vous intéresse. Est-ce que je vous montre ce que j'ai acheté? Je suis en train de me dire, mais oui, on fait un mini haul. Oui, j'ai fait une commande Bershka. Alors, j'ai acheté cette petite robe, trop mignonne. Je vais faire ça vite parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en même temps, vous me demandez tout le temps un peu plus de mode sur ma chaîne. J'ai ce petit haut, très mignon, très Instagram, très summer 2021. D'ailleurs, j'ai pris un petit body. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, je l'ai en marron. Je vous avais posté une photo, vous savez, c'est un body dos nu. Trop trop mignon. J'ai acheté cette robe, trop belle, avec un dos un peu nu et un lassage derrière. Elle est trop belle, mais par contre, je me dis, mais quand est-ce que je vais la mettre? Genre, à quel moment je mets ce genre de robe? J'ai acheté un petit top comme ça, genre chemise. Ça, c'est trop bien pour aller à la plage. J'ai hâte d'ailleurs. Et j'ai commandé cette chemise qui ressemble à rien comme ça. Trop mignonne. Et attendez, dernière chose, je me suis acheté pour la première fois de ma vie une casquette. J'ai peur qu'on me dise que ça me va pas, mais attendez, attendez, c'est pas fini. C'est pas mal, est-ce que je la mets aujourd'hui? Oh, j'ai acheté des chaussures hier, faut que je vous montre. J'ai vraiment craqué, genre ça me ressemble pas du tout de faire ça, mais j'ai craqué. J'ai acheté des Arigato, elles sont incroyables, je vais les mettre tout de suite. Oh, d'ailleurs, bon vous savez quoi, j'arrête de parler, je me tais, on va manger des glaces. On se retrouve tout de suite à Paris. Alors, on est à Paris, on va dans une... tu sais pas où on va? On va manger une glace, bien évidemment. On va prendre une trousse nette. C'est une rime avec ce temps. Ouais, fait tellement chaud, on est en train de mourir, surtout qu'on a mis... genre les mêmes, exactement les mêmes baskets, et on meurt de chaud avec. T'es prêt? Parce qu'en fait on va manger énormément de glace. T'as faim? Ouais, non, ouais. C'est trop bon. Tu sais que moi j'ai mangé un toast d'avocat, mais le pain il était tellement bourratif que j'ai même pas faim. Et je sais pas combien, on prend combien de boules à chaque fois? Parce que ça c'est la vraie guerre. Je pense qu'on va en prendre deux à chaque fois. Mais non, pas deux à chaque fois. Ça fait 6. Ça fait 6 boules. On va crever hein. Ouais, mais on a fait pire. Mais attendez, j'ai pas dit le nom. Gelati d'Alberto. Ça me plaît. Jérémy, il est à fond sur les glaces à la pistache. Et moi, mes préférées, genre je pense que vraiment je suis obligée de goûter toujours celle-ci, c'est les glaces vanille. Je pense que je serais obligée de goûter ça dans tous les glaciers, sinon je peux pas comparer en vrai. Je peux pas comparer genre... En vrai, faut prendre les mêmes goûts. Ouais. Moi, je veux absolument vanille, genre je vis pour la vanille. Regardez où on est. Attends, il y a un arrêt de bus. Je le refais dans quelques secondes. J'ai mes lunettes de soleil, est-ce que c'est mal poli de parler à la caméra avec ses lunettes? De mettre ses lunettes de soleil sur le... Pourquoi sur YouTube? Là, non. Ça va? Ah ouais. Ça commence. Attends, il y a un truc. Putain. Fermé aujourd'hui pour... Vitrine. Ah. C'est fermé le jour. Je triste là. Je vais mourir. Je pense qu'on va aller à la deuxième pour l'instant de la liste. On va faire la 2 et la 3. Et ensuite, de toute façon, c'est pas classé dans un ordre particulier. Et ensuite, on prendra genre là, celle qui passe en quatrième au niveau des notes. Ok? Ça me va. T'es déterminé? On va faire la queue? Ouais. Difficilement. Bonjour, je vais vous prendre cornet, fraise des bois et pistache s'il vous plaît. Oui, moi je vais vous prendre myrtille et vanille. Je suis désolée monsieur, mais on a plus pistache. Okay.
Alors, t'as vu, elle a pas le pistache. J'ai trop le seum. Comment on va faire pour comparer si t'as pas le pistache? T'inquiète, j'ai goûté toutes les glaces pistache de la terre. J'ai goûté vanille. Nous avons myrtille. Ça coule tellement et là. Vanille. Ça coule. C'est grave, bon, c'est myrtille quoi. C'est myrtille. Myrtillé. Verdict. Elle est incroyable la myrtille là, elle est colorée. Tu te dis que c'est incroyable mais c'est pas genre si incroyable. C'est bon, mais c'est pas... Par contre ça fait sorbet. En même temps c'est un sorbet. Ouais. J'avoue j'ai jamais goûté le fraise des bois de ma mère. Ça va être trop bon. Ouah, t'en as plein les dents. Franchement c'est bon, mais je suis pas en train de me dire. On va voir si on est capable du corps. Ok. T'es déçu ou t'es... C'est myrtille, quoi ton, c'est trop myrtille, c'est quoi ton mood? Mon mood, c'est que myrtille, c'est trop myrtille. À partir de maintenant, je prends que vanille. Une boule vanille, fin. C'est génial. Je suis trop déçu de la fraise. Je suis ok. Ouais. Mais la vanille, par contre, je suis pas déçu. La vanille, ouais, elle est incroyable. La vanille, franchement, genre ça vaut le détour. Si vous aimez la glace à la vanille. Qu'est-ce que vous prenez comme glace? La différence entre myrtille et vanille, il y a un monde. La vanille, regardez, est-ce que vous voyez tous les petits points noirs? Ah, wow. Quoi? Enlève. Quoi? Non. Regarde, c'est simple, en fait t'as mis tous tes cheveux dans ma glace. Tu vois, y en a partout. Arrête, ils sont tout propres, j'ai lavé tout à l'heure. On dirait qu'on tourne un TikTok. Nous voilà repartis pour de nouvelles glaces. Au bord de l'eau, c'est trop beau là. De ouf. Ici. Paris plage. C'est ça Paris plage? Bah je pense non. C'est juste à côté les prochaines glaces. Let's go, let's go. Je sais pas combien de boules là mais... Je crois que c'est les premiers quoi, sur Google. Ah ouais? Ouais. Non. Je te jure. On va pas prendre les mêmes goûts à chaque fois, vu qu'il n'y a jamais les mêmes goûts. Il n'y a pas pistache, il n'y a pas vanille. Si, il y a pistache. Non mais là-bas il n'y avait pas pistache. Ah oui, oui. Là il n'y a pas vanille. Donc on va comparer par la qualité. En fait il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a que ça. Bonjour. Je vais vous prendre un cornet géant avec pistache, noisette, nougat et pastèque. Vous voulez péter un câble? Est-ce que vous voulez péter un câble? Est-ce que je... Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Pastèque, y a rien qui va ensemble. Nougat, noisette et pistache. Qu'est-ce que je fais? Goûte la pistache, elle est exceptionnelle. Ça c'est nougat. Ça c'est nougat ça? Pistache, je goûte. Ouais. Ouais, genre elle est... C'est la meilleure pistache de la terre et elle est exceptionnelle. Ah j'ai envie de goûter pastèque, c'est le rose là. Quoi tout en dessous? Noisette? Noisette, pastèque. Goûte pastèque, c'est vraiment la pastèque genre. Elles sont extrêmement bonnes. Ouais. Tout est trop bon. La pistache, c'est une dinguerie totale. Pistache, noisette, nougat, pastèque. Non. On va vous accrocher à la chaise. Vas-y, mets-moi. Si ça tient, je gagne quoi? Ton respect? Mais avec ta main, ça tient pas. Quand tu veux que ça tienne. Quoi? Ouais, elle va tomber quand on aura pas toute une glace. Profitez des 1 seconde. J'ai soif. Okay. C'est l'heure du débrief. Moi, je pense qu'elles étaient incroyables. Ouais. Franchement incroyable. Mais en même temps j'ai pas envie de faire mon classement tout de suite. Parce que déjà il y a des troisièmes. On se dirige la vers les prochaines. On va voir. J'ai hâte. J'ai les dents multicolores toujours. Restez jusqu'à la fin pour notre classement. Pour notre débrief final. Les gens en tout cas, je pense qu'ils ont jamais vu de caméra de leur vie. Là on va dans un glacier. Mais spécialisé dans la pistache. Je vais pas vous dire mais croyez-moi. Après ça on mange plus jamais de glace de notre vie je pense. On est arrivé, regardez le monde. Merci beaucoup. Oh mon dieu. Ouais, c'est trop. Non mais attends, c'est quoi cette... T'as vu comment elle l'a tapoté là? Ouais. Goûtons. Il y a beaucoup de monde. Hein. On pourra pas se poser je pense. Du coup on a pris quoi? On a pris vanille. Pistache. Et la spécialité c'est fleur d'oranger. Fleur d'oranger avec quelque chose. Mais pas en contre jour. Oh elle est crémeuse. Oh putain. La texture elle est trop épaisse. T'as goûté fleur d'oranger? Ouais. Incroyable. C'est super bon, pourtant j'aime pas la fleur d'oranger mais... Incroyable. On peut le là. Ça passe? Non? Je sais pas quoi dire. Non mais... C'est grave pas sucré. C'est genre pas du tout une glace normale. C'est une glace genre crémeuse de ouf et épaisse et avec de la pistache en plus. C'est 10 fois plus raffiné que les glaces qu'on aime de manger. Ouais j'ai fait. Par contre c'est vraiment énorme. Ouais. Et le fait d'avoir un truc croquant avec, c'est trop agréable. Attention. Oh mais je suis, fais attention. Vas-y. Genre ça n'a pas de sens. Elle est élastique. Ouais. Mmh. Elle est incroyable tu peux dire. Ouais.
Elle est bicolore, comme en bronzage. Il y a un côté bronzé, un côté pas bronzé. Tu fais vraiment pas d'effort. Quoi? Tu pousses dessus, ta main elle fait. Mais arrête de parler d'un vite, c'est la même chaussure. Viens, faites des briefs maintenant. La première, celle-ci. La deuxième, l'énorme qu'on a mangé juste avant. Et la troisième, Bertio. Ouais. D'accord. Et... toi aussi? Celle-là elle est. Ouais, pareil. Mais celle-là elle est bien dessus. C'est-à-dire que si vous aimez la pistache, déjà, venez goûter cette glace. La texture, plus le côté croquant, plus la qualité, c'est vraiment, là pour moi c'est vraiment les premières. La deuxième, franchement, deuxième parce que c'était trop bon, genre la pistache et tout était trop bonne, mais quand je goûtais là, bon, pas pareil. Mais elles étaient très très bonnes, genre grave crémeuse, grave bonne. Franchement, j'ai grave aimé. C'est typique d'une glace italienne très bonne. Et Bertillon, franchement, quand tu... alors la glace vanille est exceptionnelle, genre de toutes les glaces vanille qu'on a goûté là, Bertillon c'est la meilleure. Je pense qu'en fait si vous allez chez Bertillon, faut goûter la glace vanille. De toute façon ils sont connus pour ça. Genre le sorbet, la myrtille et toi aussi ça servait à rien genre. C'est vraiment une glace de base. Déplacé ou pas pour ça quoi. Mais c'est pour ça que c'est en bas de la liste. Mais à choisir entre une glace vanille Bertillon et genre ça par exemple, je prends ça. Donc Bertillon tu peux l'acheter et l'avoir chez toi. Ouais, Bertillon ils font des pots pour Noël et tout, c'est trop bien. Ouais, voilà notre classement. En vrai moi je suis grave contente. Ouais, de ouf. C'était une bonne idée de faire les glaces. Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on teste. Parce que là c'est le troisième, j'en ferai d'autres parce que j'aime trop. En vrai je sais pas ce que tu peux faire d'autre. Une pizza. Une pizza, de ouf. Les Grecs. Viens on fait ça. Ouais. Moi je les mets après de Paris. Jérémy tu vas finir la glace parce que moi j'en ai marre. Je peux plus manger de glace là. Et on va rentrer à la maison, réparer mon lit. Préparer, c'est vraiment. Préparer, on va enlever les pieds pour que je puisse dormir. Il faut dormir droit parce que c'est interdit. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Je suis active tous les jours et j'essaie de répondre à un maximum de vos messages. Et n'hésitez pas également à me suivre sur YouTube, je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mouah.